la houle en reste du vent side offshore ce midi sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. En un temps qui est couvert, quelques trouées encore de ciel bleu. Une température extérieure qui est relevée à 12 degrés. Une température de l'eau qui est à 13-14 degrés. Cet après-midi, un temps couvert, une température à 14. Nous sommes sur une marée qui est actuellement en train de finir de monter. Le plein haut est à 13h30 avec des petits coefficients de 53. Et sur cette fin du montant, le vent il a tourné, il s'est levé. Il est sud-sud-est soutenu. Il y a un petit 4 Beaufort, mais il s'est quand même renforcé avec un plan d'eau au bord qui est ridé au clapot. À clapot, sur le large, c'est clapot à de nouveau boutonneux. Et on a une houle qui grossit aussi, une houle longue de 12 secondes de période orientée ouest à sud-sud-ouest, bien multipique sectionnée. Elle est à la hausse, elle était sur la bouée Tartachon-Gascogne tout à l'heure relevée à 2,70 m et 9 secondes. Et là maintenant, en taille de vague, ça donne du 1,50 m en déferlement régulier. 1,80 à 2 mètres sur les séries qui rentrent fréquemment, et on commence à voir le 2,30 un peu plus fréquent sur les gros sets. Donc là on voit le spot en face du Banana Surf Shop Café M School, la Canoe Surf Club, personne à l'eau, même s'il y a des bouts par moment, mais bon c'est costaud, la barre elle est pas facile à franchir maintenant et les vagues sont sélectives. Et il y avait une personne à l'eau en face du Kayak là, qu'on a vu au début et qu'on va revoir après là. Là vous voyez les grosses séries à 2,30, vous voyez c'est quand même agité, il y en a partout. Mais bon, par moment, au bord, avec cette houle qui rentre un peu de traviole, hachée par du vent de sud-sud-est, il y a des gros pics qui tombent, encore tubulaires, encore très jolis par moment, mais c'est quand même en dégradation par rapport à ce matin avec le vent qui est passé sud-sud-est et qui s'est renforcé. Bon, bref, là, pour le reste de la journée, à mon avis, ça ne va pas jouer à la canoë parce que la houle va continuer de grossir. Et le vent, même s'il va revenir offshore, ça sera à marée basse, ça sera costaud, ça sera pas évident, à voir. Au dernier check, la bouée Tartachon-Gascogne est à la hausse à 2,80 et 9 secondes. Ça va grossir un petit peu plus quand même pour cet après-midi. Prévision à 13h, c'est donc 2,30 houle ouest à sud-sud-ouest avec 12 secondes de période, vent de sud-sud-est à 4. Et à 17h, on aura 2,50 m houle ouest à sud-sud-ouest, 13 secondes de période, vent de sud-est de 3. Donc voilà, ben, le meilleur créneau c'était ce matin, à mon avis avec la descendante ça sera moins bon, même si avec cette houle en pique, il peut y avoir encore des bouts de ci de là, mais c'est pas gagné, et je pense que l'option mobilité est beaucoup plus favorable. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 et 92 29 78 73 à 14h et à 16h, et là c'était la seule personne à l'eau, surtout la canoë.